Alors, qu'est-ce qu'une grammaire? C'est une question qui appelle plusieurs réponses. La grammaire, c'est en fait l'organisation même du langage. Comment on combine des mots en phrases qui ont un sens, et comment on combine ces phrases en discours, et en discours également plus ou moins cohérents. Donc, les livres de grammaire, comme celui que j'ai co-dirigé avec Daniel Godard et qui vient de sortir, essaye d'expliciter, de mettre au jour toutes ces règles de combinaison des mots en phrases et des phrases en discours. Et souvent, les ouvrages de grammaire sont un peu prescriptifs, essayent de valoriser certains usages et d'en dévaloriser d'autres. Et nous, en revanche, on a pris le parti pris de faire vraiment le point sur tous les usages contemporains dans leur diversité, usage écrit, usage oral, usage sur Internet, en France, hors de France, puisque le français est parlé dans de nombreux pays, et sans a priori, sans préjugés, en essayant de comprendre, de montrer comment ces usages, aussi divers soient-ils, s'inscrivent dans le système de la langue, donc appartiennent à la grammaire du français. Donc le but de l'ouvrage est descriptif et non pas normatif, puisqu'il ne s'agit pas recommander un usage et, si l'on veut, d'exclure ou d'excommunier les autres. Bien sûr, cette norme a une certaine importance. Quand on connaît le français, on est capable d'avoir des usages, disons, ordinaires, des usages familiers, mais aussi dans certaines conditions, par exemple à l'écrit, dans un examen, c'est recommandé de mettre « ne » avec « pas ». Et évidemment, on explique quels sont les usages, cette valeur sociale des différents usages, on le note dans notre ouvrage. Certains usages très répandus, comme le fait de dire « je viens pas » plutôt que « je ne viens pas », ben, ça va être quand même considéré comme informel et donc plutôt réservé à des échanges familiers. Donc on note aussi les différents jugements qui pourront être portés sur ces différents usages. Donc on note quelle est la norme, mais on ne la recommande pas particulièrement. De ce point de vue, on a une approche, disons, plutôt scientifique. On observe l'usage et ce n'est pas évident d'observer la diversité des usages. Il ne suffit pas de noter ce qu'on a entendu à la volée hier, ce matin. On voulait vraiment faire le point sur les usages représentatifs et les quantifier, dire quelles étaient les tendances, pouvoir dire à peu près... dans combien de pourcents des cas vous utilisez « ne » avec « pas » Donc dans la conversation ordinaire en région parisienne, ça va être 10-15% des cas. À Montréal, ça va être 0 ou 0,1%. Donc on s'appuie en fait sur tous les corpus, les bases enregistrées pour le français parlé et aussi sur toute la littérature numérisée pour le français écrit. Et bien sûr, on explore des centaines de millions de pages Internet. Donc on s'appuie sur ces données et on a une approche donc scientifique de linguiste sans préjugés. Mais contrairement aux publications ordinaires des linguistes qui sont plus spécialisées dans des articles scientifiques et donc réservés aux discussions entre linguistes, disons, le but de l'ouvrage est de mettre à disposition d'un public plus large toutes ces connaissances accumulées par les linguistes. Donc le public visé est celui aussi des enseignants, des étudiants et de tous les professionnels de la langue, les journalistes, les traducteurs, les personnes politiques ou dans la publicité, dans la communication, les avocats, les juristes, il y a toutes sortes d'usages juridiques aussi, et tout simplement les amoureux de la langue. Alors souvent, on a une mauvaise image de la langue orale, on dit qu'elle serait plus simple, avec des phrases plus courtes, avec un vocabulaire plus réduit.
Ce n'est pas vraiment le cas quand on observe la diversité des usages oraux. Donc il y a des oraux assez soignés, comme des cours ou des conférences, et même des usages oraux en entretien, par exemple, quand on demande à des gens de parler d'un sujet qui leur tient à cœur, par exemple leur profession, ils sont capables d'utiliser des constructions variées et complexes. Et souvent, l'oral a autant, sinon plus, de complexité que l'écrit. Si on dit « c'est moi qui ai fait ça » plutôt que « j'ai fait ça », ben c'est plus complexe. Et cette phrase « on sait que », c'est qui ? C'est une tournure assez fréquente à l'oral. Donc c'est plutôt une question de fréquence, voilà, certaines construction ou certains phénomènes sont plus fréquents à l'écrit qu'à l'oral, mais il faut bien dire que cette distinction entre écrit et oral est quand même à remettre en cause, parce que l'écrit lui-même, par exemple, si vous avez les romans policiers ou la bande dessinée, on a beaucoup d'usages familiers, beaucoup d'exclamatives qui sont réputé oraux, donc l'écrit peut imiter ou s'inspirer de l'oral, surtout la littérature contemporaine, et également tous les écrits sur Internet, tout ce qui est conversationnel sur Internet, donc c'est de l'écrit, tout ce qui est sur les réseaux sociaux, mais ça emprunte beaucoup aux tournures orales, et dans ces écrits de type SMS ou réseaux sociaux, par exemple, « ne » est rarement présent avec la négation. Donc la distinction entre écrit et oral est vraiment en train d'être remise en cause. Quoi qu'il en soit, voilà, la plupart des grammaires sont quand même basées sur un certain écrit littéraire normé et ne prennent pas en compte la diversité des usages actuels. Une des nouveautés de ce projet, c'est que c'est en fait un double objet. Donc il y a l'ouvrage papier, les deux volumes sous coffret, mais il y a aussi l'édition en ligne. Et donc c'est nouveau que cette édition en ligne, à laquelle on a accès quand on achète l'ouvrage papier, justement, on peut cliquer sur les exemples et les entendre. Donc ça nous a paru vraiment important, et c'est nouveau, quand on parle du français du Québec, on entende les voix du Québec, que quand on parle du français du Midi, on entende les voix du Midi. Donc on fait entendre une diversité de voix du français, aussi en Afrique, en Belgique, en Suisse. Et il y a tout un aspect qui appartient à la grammaire, qu'on décrit aussi, qui sont liés au phénomène sonore, les liaisons, la mélodie de la phrase. Par exemple, si on dit « tu viens », c'est une question interprétée comme une question, c'est pas comme « tu viens » qui est plutôt interprété comme une injonction. Alors c'était un projet à l'origine initié par le CNRS, c'était une commande du CNRS au début des années 2000, donc il y a presque 20 ans, car paraissait au début de ce siècle des grandes grammaires rédigées par des collectifs d'universitaires pour plusieurs langues européennes, l'espagnol, l'italien, le catalan, le roumain, et le français n'avait pas une telle grammaire. Et ça nous a pris pas mal de temps, mais aussi c'est un projet à la fois collectif, donc nous avons rassemblé une soixantaine d'auteurs linguistes, et international, puisque ces linguistes ne sont pas tous en France, ils sont dans différents endroits du monde. Et voilà, donc le mettre en place un cadre commun, collecter ces données variées et contemporaines, faire beaucoup d'allers-retours avec les auteurs. Et notre éditeur, donc Actes Sud, étant un éditeur généraliste et pas scientifique, nous a aussi demandé beaucoup de réécriture pour garantir une bonne lisibilité et un accès à un large public. Donc tout ça a pris beaucoup de temps.